Alors que João Félix est déjà comparé à Cristiano Ronaldo, Fernando Santos ne souhaite pas mettre la pression sur le jeune joueur de Benfica. Les premiers matchs de qualification pour l'Euro 2020 sont l'occasion pour le Portugal de rassembler deux des joueurs les plus en vue actuellement. Cristiano Ronaldo, quintuple ballon d'or et toujours aussi éblouissant à la Juventus, et João Félix, grand espoir du Benfica que l'on compare déjà à CR7. Cependant, Fernando Santos, sélectionneur du Portugal, refuse de se prêter au jeu des comparaisons. Si je n'estimais pas qu'il avait un très grand niveau, vous pensez qu'il serait ici? Je l'ai seulement pris parce que je crois en son énorme potentiel. Tous ceux qui sont ici ont une énorme qualité. João Félix et Cristiano Ronaldo? Nous ne pouvons pas comparer des choses qui ne sont pas comparables, ils n'ont pas des caractéristiques similaires. Ils sont différents, même au niveau de la dimension physique. Pour les comparer, ils devaient être très similaires. Si vous voulez comparer en qualité, ils en ont bien sûr. Ce sont des joueurs d'élite, il y a peu de cas de joueurs ayant eu une sélection aussi précoce. Comme ça de tête, je dirais Tchalana, Paulo Futre, Renato Sanche, va-t-il jouer? Nous allons voir, cela n'a pas l'air grave, NDLR sa blessure, il est en observation. Hier il ne s'est pas plaint, aujourd'hui il a senti une gêne. Je pense que c'est du 50 à 50, a confié Fernando Santos, dans des propos relayés par Gaulle.